Paris, place de la Bourse, 2e arrondissement. Nous sommes dans le quartier des affaires par excellence. Ici, l'or, les pièces, les médailles, les valeurs boursières, bref, la monnaie sous toutes ses formes, s'échange et passe de main en main. Les bureaux des sociétés financières se disputent l'espace avec les boutiques numismatiques, les marchands d'or et les agents de change. Mais l'or et ses dérivés ne sont pas les seuls à occuper le terrain. La presse, elle aussi, a élu domicile dans ce quartier. La presse financière, bien sûr. Elle s'est naturellement retrouvée autour du palais Brongniart, mais aussi des quotidiens, des hebdomadaires et des mensuels d'information générale, tels que Le Figaro, Le Nouvel Observateur et, bien sûr, la célèbre AFP, l'agence France Presse. Parmi toutes ces valeurs échangées, il en est une qui n'est pas financière, celle-ci, mais bien humaine, et qui, pour marquer sa différence, devait se trouver une place toute particulière pour s'épanouir. Je veux parler de la convivialité, cette valeur bien plus universelle que l'or, et qui est souvent là pour accompagner les réussites des boursicoteurs de tout poil. Pour accueillir cette valeur, il fallait un écrin à sa hauteur, et cet écrin, ce sera la brasserie Galope. Nichée juste derrière la bourse, c'est rue Notre-Dame-des-Victoires, au rez-de-chaussée d'un immeuble Louis-Philippe, que le 1er septembre 1876, Gustave Galopin signa le premier bail du Petit Bar, qui deviendra rapidement la brasserie Galopin. Passé la porte à double battant, nous pénétrons dans un monde suranné. Là, les bois précieux, les cuivres et les miroirs travaillés l'emportent sur l'aspect froid et fonctionnel des établissements plus modernes. Gustave Galopin donc, a créé cette maison en 1876. Et c'était un amateur de voyage, c'était un chartrain. Je pense qu'il était d'une famille aisée, il avait déjà donc, un peu de facilité pour voyager. Et il a cherché finalement à imposer ici, en face le temple de la finance, ce qu'il a retenu de ses voyages, notamment sur les grands paquebots de l'époque. Et puis, il a ramené cette idée de bar américain des États-Unis. Donc, c'était en fait le premier Galopin, était le premier bar américain de la capitale et probablement d'Europe. Gustave Galopin épouse la fille de M. Wybaum, riche propriétaire d'une chaîne de magasins en Angleterre. Pour faire plaisir à sa femme et rendre hommage à ses origines, il fait appel aux meilleurs artisans et architectes de Paris pour réaliser un décor de style victorien en utilisant les matériaux les plus nobles. En 1900, pour célébrer l'entrée dans le nouveau siècle, M. Galopin loue la cour intérieure de l'immeuble et fait réaliser la verrière qui, aujourd'hui encore, fait le bonheur des amateurs d'art et de bonne chère. Après les familles Émonier, Villain, Gracq et Vagrèze, propriétaires qui se sont succédés à la tête de la brasserie, tout en conservant intact son caractère, c'est M. et Mme Alexandre qui en prennent les rênes en 1997, après une rocambolesque procédure imposée par Jean-Paul Buchet, autre roi des brasseries parisiennes. On a repris cette maison qui restait sur le marché et qui pour nous présentait l'avantage d'être en dehors d'un cadre de non-concurrence qui avait été tracé par l'acquéreur de Boffinger, Jean-Paul Buchet. Donc, d'un accord commun, on avait convenu d'une distance à ne pas franchir. Et je me souviens qu'il avait tracé à main levée sur un plan ce qui était la zone d'interdiction. L'arrêté se situait rue Montmartre. Et Galopin étant établi rue Notre-Dame-des-Victoires, il y a un seul pâté de maison qui nous séparait et donc on a pu acquérir cette maison. Que penser des contours de ce tracé qui rappelle étrangement les formes d'un château fort moyenâgeux que l'on dirait imprenable? À moins que ce ne soit la représentation d'un os que l'on voudrait garder pour soi sans le partager. Partager, c'est bien le mot. Partager l'amour qu'il a pour ces vieilles maisons fortes d'un passé chargé d'histoire. C'est justement ce qu'a voulu faire M. Alexandre en procédant à la restauration à l'identique de cette vieille brasserie.
Les lustres qui sont derrière moi, par exemple, sont des lustres de l'origine. Ils étaient équipés, ils ont été équipés, électrifiés plus tard, mais d'abord, ils ont été utilisés au gaz. Et rien n'a changé. Le bar en acajou de Cuba est un bar en massif, très rare, vu sa largeur. Je pense que l'arbre qui a servi à confectionner le plateau de bar était certainement plus que centenaire. C'est ce qu'on appelle des forêts, ou en tous les cas du bois bien utilisé, parce que ce n'était pas pour faire juste du papier et de la publicité, c'était pour avoir une œuvre d'art qui a vécu et qui a traversé plus d'un siècle. Les murs sont en acajou de Cuba, rien n'a bougé, les vitraux sont d'origine, 1900. La verrière a été réalisée pour l'expo universelle. Et les jeux de miroirs, de lumière, les cuivres, tout est d'origine. Ça a été restauré complètement à notre arrivée en 1997. Notre souhait, c'était de le conserver dans l'état, et ça a toujours été notre ambition pour toutes ces maisons. C'est une histoire d'amour, ces maisons-là, avec nous. Donc on avait l'expérience des autres maisons, on avait un portefeuille, si vous voulez, d'entreprises spécialisées et d'artistes qui ont pu remettre à nu des décors existants anciens qui étaient complètement enfouis, sous plus que la patine parfois. C'était un gros travail d'expert. 11h. Selon la tradition dans les métiers de l'hôtellerie, les personnels se retrouvent pour prendre ensemble leur repas juste avant le service. Une chance pour le personnel de profiter du cadre et peut-être aussi pour mieux se détendre et se préparer au grand rush du service de midi. Très bon, comme ça. Ah bon. Deux jours. Quand un mercredi. Chef de jour. Midi approche. Les serveurs mettent la main aux derniers préparatifs avant l'arrivée des premiers clients. L'attente n'est pas longue, mais la volonté de bien faire et d'apporter un service parfait fait monter la tension parmi le personnel. Une brasserie, c'est un peu comme un théâtre, avec ses rites et ses manies. Le trac est présent pour les serveurs comme pour les artistes juste avant la levée du rideau. Midi. Cette fois-ci, c'est parti. Le rythme s'accélère. À chacun son rôle. Oui, entrez, messieurs, je vous en prie. Pour monsieur et madame Alexandre, les patrons, revient la tâche de placer les clients qui se présentent en respectant un savant dosage de psychologie et de diplomatie. Je vais vous emmener, alors. Même pour votre première visite, vous ne serez jamais un inconnu. Je vous accompagne. Les garçons, eux, dans leur tenue classique du début du siècle, le précédent bien sûr, petit gilet noir et grand tablier blanc, installent les clients à leur table. Ils reconnaissent les habitués et prennent en compte immédiatement leur désidérata. Les commandes sont prises. Les spécialités maison sont bien sûr mises en avant, ainsi que les grands classiques des brasseries. Aujourd'hui, vous avez le navarin de coquelet doré, servi avec des petits légumes. Les explications sont données dans un discours toujours simple, précis, sans pédanterie. Les relations entre le personnel et la clientèle sont empreintes d'une certaine complicité. En cuisine, en revanche, c'est le coup de feu. Mais qu'on ne s'y trompe pas, malgré les apparences, il n'y a pas de confusion. Les ordres fusent de toutes parts et sont exécutés rapidement. Il y a un merlan qui marche en direct avec 12 moules bennes, on peut y aller, non ? Belles salades vertes, Quentin, s'il te plaît. Il y aura deux barres grillées dans le four. L'hôtel Royal Monceau, Boffinger, La Coupole, comme souvent dans ce métier,
Georges Belondrade, actuel chef de cuisine, a dû faire ses classes en passant par de nombreux et prestigieux établissements avant de prendre les commandes des cuisines de la brasserie Galopin. C'est cette expérience qui fait qu'il est apprécié et respecté par l'ensemble du personnel. Ici, comme en salle, chacun a sa place, de l'apprenti à l'écaillé en passant par le commis. Tout le monde connaît sa partition et ce va-et-vient fait aussitôt penser à un ballet bien réglé. Mais 5 au nom, 5 à faire marcher les ongles. Vous m'envoyez Jean-François là, s'il vous plaît. Je dis que la 22 voudrait manger. La suite. Retour en salle. Les tables se sont remplies, le fond sonore est monté de quelques décibels, ainsi que la chaleur, probablement humaine d'ailleurs. Visiblement, les clients apprécient autant le décor et la cuisine que le service. On cherche à faire brasserie, mais on fait quand même du travail de restaurant, de restaurant. On fait quand même pas mal de choses ici. Hein. On fait des découpages des poissons, on prépare parfois les assiettes des clients. Donc, on fait quand même du service. C'est quand même de la bonne restauration. En fait. Vous avez présenté ? Oui, monsieur. Voici la sauce meunière. Cette qualité de service, justement, les garçons y sont tout autant attachés que leurs clients. Les garçons sont extraordinaires. Et ils sont efficaces, rapides. Ils connaissent tout. Ils connaissent très vite les clients. Ils sentent ce qu'on va aimer ou moins. Et en fait, c'est eux qui font la renommée et la chaleur de l'accueil, encore peut-être plus que le cadre. Comme quoi, c'est l'homme qui sacre le lieu. Le cadre est superbe, la cuisine est bonne et le service est visiblement de qualité. Conditions somme toute à la portée de nombreux restaurateurs. Alors, qu'est-ce qui fait donc la différence ? Il y a une chaleur, il y a une ambiance, il y a les lieux qui sont en général des lieux de tradition et très expressifs d'une certaine époque de la vie parisienne. Et puis il y a même une cuisine, parfois, qui se distingue des restaurants autres que les brasseries. Ah, la cuisine. J'allais l'oublier. Emporté par la beauté du cadre et la gentillesse des serveurs, j'allais oublier de vous en parler. Comme le tartare sur glace, par exemple, réalisé par la patronne ou un maître d'hôtel sur une desserte roulante presque aussi ancienne que la brasserie elle-même. C'est une des spécialités de la maison. Quelle joie, en effet, que d'assister à cette préparation alchimique dans une sorte de bain-marie sur glace, juste devant vos yeux et pour le plus grand bonheur de vos papilles. Une autre grande spécialité de la maison, c'est la préparation du chef, le foie gras de canard au naturel. On sépare les deux lobes de foie gras, on insiste sur les petits vaisseaux et au centre du foie gras se trouve une grosse artère qu'on va retirer en prenant bien soin de ne pas trop écraser le foie gras pour qu'on puisse retrouver de beaux morceaux après cuisson. Voilà, donc on enlève, on gratte un petit peu le dessus du foie gras puisqu'il y a toujours une petite pellicule. Donc à savoir, le foie gras doit être quand même d'une belle couleur ocre jaune, il ne doit pas être trop dur, il doit être souple. Hein. Donc voilà, on gratte, là, on enlève la petite pellicule, l'espèce de petite peau qu'il y a sur le dessus. Donc là, on voit bien les petits nerfs, vous voyez, qu'on enlève. Il ne faut pas avoir peur de les enlever, hein, parce que c'est assez désagréable de les avoir dans la bouche. Un petit peu de cognac.
Donc là, on va passer au stade d'assaisonnement. Donc, on met un cognac et un petit mélange de sel, de poivre. Et bon, moi, je mets du sucre. Hein, c'est le petit plus hein, qui l'adoucit un petit peu. Donc ensuite, on le mélange en prenant bien soin de ne pas l'écraser, puisqu'on y a fait attention en le dénervant. On le mélange bien, il ne faut pas avoir peur de le mélanger pour que le sel et le poivre soient bien partout. Donc on le met en terrine en prenant bien soin de bien le tasser. Sinon, automatiquement, il va se graisser, ce qu'on appelle nous, il va graisser au moment de la cuisson, parce qu'on va retrouver au milieu de la terrine de la graisse. C'est-à-dire qu'il ne va pas cuire, la cuisson ne sera pas uniforme s'il n'est pas correctement tassé. Hein, si on laisse des jours à l'intérieur, au niveau de ces jours, il va cuire beaucoup plus vite. Et un foie qui est trop cuit, on perd de la masse et ce qu'on appelle la graisse. On va mettre une petite feuille de papier d'alu sur le dessus pour éviter qu'il s'oxyde de trop. Voilà. Et ensuite, on va se le mettre 24 heures au frais. Vous allez me sortir la. Donc là, on va ressortir le foie gras au bout de 24 heures. Il faut le laisser environ, je dirais, 4 ou 5 heures se tempérer. Hein, pour qu'il reprenne un petit peu un peu de souplesse pour qu'on puisse avoir la cuisson régulière partout. Donc on va le mettre en bain-marie. On va démarrer au chaud, dans un four chaud à 85 degrés pendant environ une trentaine de minutes. Au bout de ces 32 minutes, on va le remettre au frais pendant encore 24 heures pour qu'il se bloque là et qu'on puisse le démouler. Donc au bout de ces 24 heures, on va le sortir, on va pouvoir le démouler tout simplement. Voilà, on prend bien soin de taper légèrement les diagonales. Et le foie gras descend tout seul. Voilà, donc on a un foie de canard qui est prêt à être mangé. Donc là, faut compter 70-80 grammes par personne hein, pour l'avoir bien en bouche. Donc là, nous, on le sert avec une petite gelée au madère, parfumée au madère. Avec un petit peu de fleur de sel et un petit coup de poivre du moulin. Et c'est pour ça qu'on l'appelle au naturel et une petite tranche de pain poilane toasté. Et à déguster comme ça tout de suite. Moi, ce que je peux conseiller, je dirais, avec un genre de foie gras, c'est un petit verre de Gewürztraminer en vendange tardive, un vin un petit peu liquoreux ou un verre de Sainte-Croix-du-Mont aussi qui est très bon. 13h15. Le rush de midi touche à sa fin. Les consommateurs sont plus détendus. Retenez-vous, monsieur Hugo. Bonjour. Quelques clients, parmi lesquels des personnalités connues, choisissent ce moment privilégié pour venir déjeuner en toute tranquillité. En cuisine, là aussi, c'est le retour au calme. On sent bien que l'on approche de la fin du premier service. Un café et l'addition, je vous prie. La phrase libératrice pour tous les garçons qui vont pouvoir maintenant commencer à souffler. Un sas d'entrée à double battant a remplacé une porte à tambour que Gustave Galopin avait fait venir spécialement de New York et qui fut échangée dans les années 50 pour des raisons de sécurité. Certaines mauvaises langues prétendront même, avec malice, que c'était pour faciliter le passage de quelques boursiers ventripotents qui avaient du mal à s'extraire du tourniquet.
Mais dites-moi, galopin, cela ne vous rappelle rien? N'avez-vous jamais entendu un jour, au bar d'un café, quelqu'un à côté de vous commander « Patron, un galopin, s'il vous plaît ». La brasserie, justement, telle que Galopin l'a créée, était spécialisée dans les mélanges, mais avant d'être spécialisée dans les mélanges, elle était spécialisée dans la bière. Donc, il a donné son nom à une mesure de bière, sans doute pour vouloir faire un clin d'œil avec le temple de l'argent en face. Il avait fait réaliser des petites timbales, des chopes en argent, d'une contenance d'une demi-pinte. Donc, en fait, c'est 25 centilitres. Et il a donné son nom à cette mesure, communément appelée galopin. Donc, en fait, le galopin... La mesure dont nous parlons, voilà le spécimen. Donc là, ce sont des chopes d'origine qui ont été frappées, comme vous pouvez le vérifier ici, rue de Vivienne, donc chez nos voisins. Aujourd'hui, donc, nous servons dans les chopes d'origine qui n'ont pas quitté leur position initiale, donc sur cette étagère, depuis la création de la maison. Alors ça a le mérite, si vous voulez, de tenir la bière très longtemps fraîche. Soit. La bière était tenue au frais. Mais vous ne me ferez pas croire que dans cette brasserie si proche du temple de la finance, où des fortunes se sont faites et défaites, on ne buvait que de la bière. Le champagne qui a rivalisé avec beaucoup de bonheur pendant longtemps, en fonction des heures de la journée et des marchés. Donc si la bourse était bonne, on arrosait ça. C'était souvent le champagne puisque c'est le vin de la fête. Et puis, si la bourse était mauvaise, je crois que pour noyer son chagrin, on faisait un peu la même chose et un peu le même geste. Vous aviez à l'heure du déjeuner une table un peu plus grande que les autres, qui était une table d'hôte, donc qui permettait aux personnes seules de déjeuner tout en ayant la possibilité de converser, d'avoir des échanges. Et à partir de 16 heures, on remplaçait cette table par une baignoire en zinc. Et donc là, on faisait... rafraîchir le champagne pour être servi ensuite sur table jusqu'à 20h du soir, et la maison faisait recette jusqu'à 20h et après rideau. Heureusement pour nous, la brasserie ne ferme plus à 20h mais bien plus tard. Cette chance nous offre la possibilité d'y croiser des personnalités du spectacle dont les motivations à fréquenter l'endroit ne sont pas très éloignées des nôtres. Moi, je retrouve dans les brasseries, surtout ces brasseries qui ont un âge certain. Je ne suis pas du tout quelqu'un de mon époque. Alors moi, j'y retrouve le passé, j'y retrouve tout ce qu'on peut imaginer, en dépit des gens qui vous entourent et qui sont habillés modernes, c'est-à-dire souvent très mal habillés. On y retrouve tout ce que pouvait être l'atmosphère au temps des peintres et des auteurs qu'on a connus et qu'on a aimés. C'est ça, c'est le passé de ces maisons-là aussi qu'on vient retrouver, c'est très important. Grâce au cadre qui est ravissant, c'est on y retrouve le Paris de maintenant, puisque c'est vivant, puisque c'est animé, mais aussi le Paris des siècles précédents. La voilà, la belle affaire. Cet esprit après lequel on court depuis si longtemps, le voilà qui se présente à nous sous la forme d'un fantôme. Le fantôme d'un Paris nostalgique que l'on aurait aimé ne jamais quitter. En réalité, ce que nous cherchons, c'est peut-être de partager un rêve. Il suffit de feuilleter le livre d'or de la maison pour nous découvrir les compagnons de table des Zidi, des Belmondo, des Arditi et autres artistes ou écrivains. Le rêve s'est réalisé. Nous sommes dans un autre temps, un autre univers. Peut-être nous sentons-nous ainsi les futurs Hemingway et autres George Sand de demain. Vous voyez, c'est amusant, là en ce moment je joue à la biche, je sors d'avoir joué à la biche, ben, j'ai l'impression de rester dans le même univers. Il n'y a que le costume qui change. Cette petite lumière de nostalgie qui brille dans nos yeux en fin de soirée, est-elle la preuve que nous avons réalisé nos rêves? En tout cas, l'esprit des brasseries, l'esprit de Gambrinus, le patron des brasseurs, est toujours là. Madame Alexandre peut prendre les réservations pour les prochains jours. Les lumières peuvent s'éteindre et le rideau se baisser. Demain est un autre jour.